Le retour du défilé du roi. Après 70 années à célébrer la reine Elisabeth II, la fameuse parade de Trooping the Colour va s'atteler à glorifier son fils, et ce, pour la première fois. Cet événement mis en place dans les années 1600 se caractérisera notamment ce samedi 17 juin par une parade de plusieurs centaines de soldats de l'armée britannique, qui compte le prince Harry parmi ses vétérans. Pourtant, d'après un article publié par le magazine People ce jeudi 15 juin, ni le fils cadet du roi Charles III ni son épouse Meghan Markle n'ont été conviés à l'événement national. Depuis l'annonce de la nouvelle, le palais de Buckingham ainsi que le couple de Sussex sont restés muets. Il n'était pourtant pas rare de voir le prince assister à la parade annuelle, du temps où sa défunte grand-mère régnait sur le Commonwealth. Son épouse y avait, elle aussi, assisté à plusieurs reprises. Un mois seulement après leur mariage, qui s'était déroulé dans la chapelle de Windsor le 19 mai 2018, les deux tourtereaux faisaient partie des convives et contemplaient les célébrations données en l'honneur d'Elisabeth II. L'année suivante, le duc et la duchesse de Sussex étaient à nouveau de la partie, malgré la récente naissance de leur premier enfant Archie, né le 6 mai 2019. Covid oblige, les deux derniers Trooping the Colour n'avaient pas pu se dérouler normalement, obligeant le prince Harry à suivre l'événement depuis Monte Quito, en Californie, où il a élu domicile avec sa petite famille. Sale année pour le prince Harry. L'année 2023 n'est pas synonyme de quiétude pour le prince Harry. Et pour cause, le 11 janvier, les mémoires autobiographiques du fils de Lady Di sont sortis sous le nom du suppléant. Un ouvrage cinglant qui n'a épargné personne au sein de la royauté. Plus récemment, Harry est brièvement revenu à Londres pour de la cérémonie du couronnement de son père le 6 mai dernier, puis finalement, pour son procès début juin. Ce dernier a en effet intenté une action en justice à l'encontre du groupe de presse britannique Mirror Group Newspaper, au sein de la Haute Cour de Londres. Au vu des relations très tendues qu'il entretient avec son père et son frère, le prince Harry n'avait pas fait escale au palais de Buckingham. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit photo, Backgrid UK.